Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement Vive Marseille! Non. Allez, sérieusement. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je travaille avec un logepad, mais un faux logepad. Moi, j'appelle ça un faux parce que je ne me considère pas comme un vrai outil de travail. J'essaie de le connaître comme ça, surtout de m'amuser, tout simplement, même si c'est horrible, je veux dire, franchement, voilà. Voilà. Avec ça, je travaille, mais vous inquiétez pas, j'en aurai un vrai. Alors, il y a des internautes qui me posent, qui me parlent, qui disent que j'ai un œil à droite, un œil à gauche, tout ça, mais parce que ça, c'est un téléphone, ça. Je vais pas m'amuser, je n'arrive pas à travailler comme je veux là-dessus, je me sens pas à l'aise, mais j'essaye. Je trouve des combines, par exemple, je vous fais un truc. C'est dommage que je peux pas vous le faire comme ça. Voyez, je l'ai mis en boucle. D'accord, j'ai mis complètement, voilà, ici là. Donc je vais le mettre en blanc, comme ça vous le voyez. Voilà, quand je mets en blanc, c'est pour programmer. Après, je peux faire comme ça. Voyez, hein? Ce que je vous fais montrer, c'est juste un petit logepad. Fais comme ça. C'est pas dans le morceau. Allez, sérieusement. Et oui, hein. Et c'est pour le cowboy, ça. Voilà, sérieusement. Voilà, c'est pour vous dire qu'en gros, j'ai pas dit que c'est nul, mais je préfère. Bah, c'est comme les platines CD, les platines vinyle. Je préfère un vrai truc. Bon. Bon, bref. Mais bon, voilà. Vous voyez, il y a quand même 24. On utilise 24. Ouais, hein, on utilise 24. 24, ça devient 12 comme ça. Et je bouge 12 comme ça. Donc ça fait bien 24. Vous voyez, donc. Mais cette application, j'en ai une autre qui est très bien, que j'aime bien, j'aime un peu plus par contre. C'est la même application, elle appartient à la même société. Voilà, c'est celle-ci. Alors, je vous fais. Voyez, donc voilà, ça c'est déjà programmé tout ça, mais bon, voilà ce que je vous fais montrer, c'est juste des trucs, des choses, mais que voilà. Et là, donc, je compte en acheter un pour ce Noël, hein, c'est pour ça que je dis, je vais peut-être l'acheter avant que je parte parce que j'envisage, vous ne verrez peut-être pas faire des vidéos au moment de Noël parce qu'il n'y en aura pas. Logiquement, je serai parti. Voilà, je serai parti. Peut-être, si tout va bien, je vais en Suède. Voilà, peut-être je vais en Suède changer un peu, d'aller là-bas, ça va changer un peu. Ça va cailler! Déjà qu'il fait froid ici, ça va cailler là-bas. Bon, bref. Voilà. Tout simplement, bah, c'est tout simple. Ce que je vous fais comprendre, c'est que voilà, c'est pas mon truc, les logepads virtuels. Je préfère les logepads officiels, les vrais trucs officiels. Donc les appareils, c'est vrai. Chez mon ami Olivier, il dit que c'est pour les feignants. Bah, pour rigoler, je dis ouais, c'est pour les feignants aussi. Mais pour moi, personnellement, c'est un petit atout qui est très important pour les DJ. S'ils veulent créer des morceaux. Eh ben, c'est ce que je compte bientôt faire. Et pour votre gouverne, sur la chaîne Antonio, il y aura beaucoup, beaucoup de ce type de vidéo. Mais attention,
Il y a aussi les reportages qui seront officiels. Par contre, pour une question d'un internaute qui m'a demandé sur Papu Tricot, je m'en contrefiche. Vous débrouillez vos problèmes de 18, 25, 35, 42, toutes ces conneries-là. Là. Il y en aura plus sur ma chaîne parce que j'en ai un peu, comment dire, chez moi, j'en ai ras-le-bol. D'accord? C'est pas mon truc. Mon truc, apprenez à lire et vous verrez que c'est marqué info. Donc voilà. Là-bas, c'est que de l'information, ce n'est pas pour insulter quiconque. Des provocations comme ça, vous pouvez vous les garder pour vous tout seul. Engueulez-vous entre vous, c'est mieux. Mais nous, on préfère s'occuper de nos vidéos, tout simplement. Et on s'occupe que de nous. On s'en contrefiche de 18-25 qui casse les couilles à tout le monde. Voilà. Donc, je m'en contrefiche de tout ça. Et je mets Papy Tricot, il fait ce qu'il veut. Je m'en fous par contre. Faut qu'il arrête de prendre pour ce qui ne l'est pas. C'est tout. Voilà. Voilà. Pour autre information, et là c'est un truc que je vais parler très sérieusement avant de quitter. Je vais parler sur ces CD-là, ces CD DVD. Voilà. C'est du Philips. D'accord? Du CD-ROM Philips. Ben moi, personnellement, j'en ai acheté plein. Et j'en suis même plus que déçu. Hein. J'ai acheté du TDK, c'est parfait. Du Maxwell, c'est le café. D'autres marques que j'avais achetées, même Verbatim, pourtant c'est pas la meilleure qualité, mais Verbatim, c'est largement mieux qu'eux. Ça, qui reste dans constructeur, en tant que constructeur de matériaux, pas plus loin, CD-ROM, tout ça. Leur qualité, là, elle est pas terrible. Leur ordinateur, le Mac, force à chaque fois me considère que le DVD n'est pas soit il est inapproprié, pardon, inapproprié, et donc pas besoin de mettre un logiciel, quoi que ce soit, c'est une catastrophe. Voilà, donc j'ai dépensé ça, c'est chéro, hein, ça fait cher Philips. Alors j'en ai acheté aussi en CD audio. Alors par contre, j'ai du Philips, c'est un peu bizarre. Alors, voilà, c'est des Philips, c'est même pas sa marque, il n'y a même pas de tampon de Philips, c'est Emaille, et pourtant c'est du Philips. Alors, on sait pourquoi, parce que ce n'est plus fabriqué sur le territoire, c'est plus fabriqué en Norvège, hein, c'est plus fabriqué en Norvège, ni en Suède, ni en quoi que ce soit, c'est fabriqué en Chine. Et donc voilà, la qualité n'est pas toujours là. Donc pour votre information, les appareils qui sont, pas les appareils, certains trucs ne sont pas de très très bonne qualité, qui est dommage, parce que Philips, ils sont très forts dans certaines choses, mais pas en DVD-ROM. Voilà, là-dessus, là, je peux confirmer, ça fait plusieurs fois que j'en achète, et plusieurs fois que j'ai les mêmes problèmes. Alors, je parlais aussi sur Boulanger, Essentiel B. Alors, Essentiel B, c'est la même chose. Essentiel B, c'est pareil. Alors, ce qui m'embête dans le magasin, c'est qu'ils considèrent ça que c'est du Sony. Et c'est faux. C'est pas du Sony. Ça n'a rien à voir avec Sony. Sony, c'est vraiment de la qualité au-dessus de Samsung, de ça. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je pense, moi, personnellement. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'ai. Hop. Voilà, ça c'est des DVD, CD et DVD vierges. Et là c'est pareil, ils sont là-dedans aussi. Donc voilà. Parce que voilà, j'avais à acheter parce que j'avais besoin pour faire un truc. Et là j'ai deux DVD de chez Philips. Deux DVD Philips pour un ordinateur PC, pour le bono. Pour un Lenovo qui a un petit problème, qui a eu un petit problème, mais que ça s'est résolu. Maintenant, il faut juste mettre ça. Il faut mettre un décédé. Voilà, il faut recommencer. Bah écoutez, je vous remercie. Et surtout, bonne vidéo, likez si vous voulez, etc. Et voilà, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Bye bye.